cette partition que j'ai écrite qui s'appelle Black Bohemia. Alors Black, comprenez pourquoi, parce qu'on parle d'afro-américain. Bohemia, pourquoi? Parce que ces afro-américains, ils vivaient à New York, mais ils étaient centralisés dans Harlem. Vous voyez Harlem? Ils étaient très populaires. Ils faisaient beaucoup de concerts, ils montaient des orchestres, des syndicats de musique, tout ça. Et en 17-18, les États-Unis vont rentrer en guerre. Ils vont venir prêter main forte aux Français sur le continent américain. Eux souffraient énormément de l'esclavage, de la ségrégation. Toutes ces choses-là, vous connaissez ça. Et ils ont volontairement insisté auprès du gouvernement pour rentrer dans l'armée américaine. Avec un seul objectif, c'est venir combattre en France, et une fois de retour, s'ils arrivaient à revenir du conflit, sains et saufs, revenant aux États-Unis, dire, ça y est, on a pris les armes pour vous défendre, ben maintenant, il faut nous donner des droits civiques. Vous comprenez le truc? Avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne, c'est d'avoir un projet parallèle à cette création, qui soit avec des jeunes. Et moi, ce que j'aimerais, c'est créer un projet, une restitution, en pensant qu'on va restituer pour vos parents et vos copains, cette œuvre-là, mais vue par vous. Quand le jour se lève, il faut démarrer après le temps. Quand le jour se lève en Louisiane, les esclaves travaillent en chantant. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau en Louisiane, on partira pas pour longtemps jusqu'à demain. Évidemment. Essayez de trouver un moyen d'expliquer le rythme. De faire comme une partition de la body percu. Donc cœur, main, cœur, cœur, main. Cœur, main, cœur, main, cœur, main. Down in the river children, standing above that low-down way in Rouge-Roulaire. Vous voulez qu'on parte en faisant un pas vers la droite ou un pas vers la gauche? Droite, gauche. Bah voyez, vous vous mettez d'accord. Et détendez vos genoux pour et, pas que ouais, ouais, c'est ça qui va pas. Ouais, il faut le 1 et 2. D'abord, faut que j'entende. Hein. Je pense que ça leur apportait une voix, une ouverture musicale. Au début, ils étaient gênés par la manière de chanter, par exemple, de certains artistes. C'est pas du tout formaté comme ce qu'ils sont habitués à écouter. Donc les premières réactions, c'est rigoler, un peu gêné. Et puis il y en a, après, ils hochaient la tête, ils tapaient du pied. Il y a eu une bonne ouverture musicale, je pense. Même si ça reste compliqué pour certains élèves, il y en a vraiment qui ont progressé tout au long de l'année. Voilà, et là. Voilà, ça c'est beau. Voilà, bien droit, sans bouger. Ça leur a apporté de la confiance en soi, parce que certains se sont dévoilés au cours de l'année. Ça leur a apporté aussi une ouverture culturelle, parce que c'était une musique qu'ils ne connaissaient pas du tout. Voilà, ils ont aussi découvert plein de choses avec l'OSB, puisqu'ils sont allés écouter des concerts, autres concerts dans la programmation de l'OSB. Ils sont beaucoup sortis. Et sur le jazz aussi, ils ont appris à le ressentir et à faire la différence aussi entre la musique classique et la musique jazz. Le ragtime, c'est de la musique assez dansante, très rythmée. Alors syncopé, c'est il y a des petits rythmes en l'air comme ça. Tac, 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 d'accord? Et en fait, c'est de la musique
qui est un petit peu un mélange de musique afro-américaine, mais avec de la musique militaire. Donc ce qui est carrément génial, c'est que je viens d'apprendre aujourd'hui que dans l'œuvre que nous allons composer aujourd'hui, tu vas jouer un ragtime au piano. Composer, c'est faire des choix, c'est sélectionner, c'est enlever certaines choses et garder d'autres. Et puis petit à petit, faire quelque chose qui soit réalisable, quoi, parce qu'il ne faut pas non plus faire quelque chose de trop énorme, ouais, qu'on n'arriverait pas à gérer. Donc il faut aller à l'essentiel, mais de la trame qu'on s'impose. Je fais pas la guerre, hein. Et si je fais... C'est mal, la guerre ça fait mal. Donc j'ai fait mal aux oreilles, bah, on pense à la guerre aussi. Donc sur la première phrase, ça fait... On avance, on a les pieds enchaînés. Et ça c'est les chaînes, vous vous souvenez? Ce qui fait, je vous montre. Oh, don't you hear my arm ringing. Tout le répertoire des chants vient de moi, en fait. Et donc c'est moi qui les ai trouvés. Le dernier, là, qui parle de la liberté, égalité, fraternité, donc c'est un... J'avais fait une sélection, et donc c'est les élèves qui ont choisi. Donc du coup, après, on a fait un arrangement avec Guillaume. Bon, bravo. Alors, ce qui va se passer, plus tard, on aura les musiciens avec nous. Quoi? Ah oui, il y aura des musiciens. Il y aura de la contrebasse, de la batterie, de la guitare, de la trompette, du trombone. Seulement, quand ils vont jouer, ça va faire 5 fois ça. Quoi? Donc, faudra chanter bien fort, parce qu'autrement, on n'entendra que les musiciens. Ça va nous casser les oreilles, je crois qu'on va... Ah non, moi j'ai pris des... Je prends toujours des musiciens qui ne cassent pas les oreilles. Et on termine par ça. Vous faites le cluster, on fait tout ça ensemble. Et vous tenez le plus haut possible. Et comme si c'était une petite seconde. Un cluster fort, attention. Voilà, comme ça. Et vous tenez. 3, 4. Et vous tenez la note le plus longtemps, d'accord? 1, 2, 3, 4. Toi tu fais patatata patata. Dirige très très bien, hein. Prends ton temps, va, accélère pas trop les gestes, prends ton temps. Mais oui, mais comme vous êtes dissipé en permanence, c'est la récré, c'est pas que la récré elle est là-bas. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez des éléments de la récré, mais on travaille, on y va. Ah. Presque ça, on y est presque, encore. Stop. Oh my God. Tu n'as pas regardé. Quand il y en a un qui ne suit pas le chef, il met tout le groupe en péril. Vous êtes une équipe. Une fois que la guerre s'est arrêtée, il y a eu un grand silence et que les gens ont redécouvert le bruit de la nature, les oiseaux, etc. Je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être se faire une petite poésie d'oiseaux. Yes. Super. J'avais le droit de crier. J'ai l'impression que vous étiez un docteur, dites. C'est exactement ce que je veux. Les poilus, ils ont beaucoup de poils. Quand on n'a qu'un poil dans la main, c'est-à-dire qu'on est feignant. Quand on est poilu, on est... Je. Voilà. Ça sert à quoi la guerre? Pourquoi elle est venue? L'Autriche Hongrie a assassiné, je crois, le fils du roi. Et du coup, entre la Serbie et l'Autriche Hongrie, il y avait la guerre. Et la Serbie, la France et la Russie, ils étaient ensemble. Et l'Autriche Hongrie, non? Tu sais ça? Bah oui. Bravo. Ouais. Et l'Autriche-Hongrie, ils étaient alliés avec l'Allemagne, du coup, et après, ouais, ça fait la partie de la Serbie, absolument. Donc là, on a fêté, comme on est en 2019,
L'an dernier, on a fêté les... Les 100 ans de la Deuxième Guerre mondiale. De la... Non. De la première. Alors, on a dit que c'était la guerre, mais surtout, ce qui est très important, qui apparaît un petit peu dans votre texte, mais peut-être c'est très important qu'on va expliquer ça à vos parents, mais c'est, ils sont venus, ces Afro-Américains, ils étaient des esclaves un peu. Enfin, ils n'étaient pas esclaves véritablement, mais ils n'avaient pas beaucoup de droits. Ils étaient privés de leurs droits civiques. C'est pas... Qu'est-ce que vous connaissez comme droit civil? Ben, on a... Ben, travailler... On a le droit d'aller vivre, on a le droit de... Oui, la liberté des... Des gilets jaunes. La liberté des... D'expression. Le premier mouvement, les origines. Donc il y aura du chant, justement, on a isolé les chants, on s'est mis d'accord, et ça, vous êtes en cours d'acquisition. Le prochain coup, ils vont avoir bien avancé, à mon avis, ça va être plus intéressant. Parce qu'on est vraiment aux prémices. Là. Yeah. Sur le pont, l'orchestre militaire composé de 99 musiciens recrutés parmi les meilleurs jazzmen de Harlem. On reprend. L'USS Pocahontas à cause d'un rate de... On va recruter. Nous sommes le 26 décembre 1917. Non. Nous sommes le 26 décembre 1917. Mais non, mais c'est pour... Ça dirait d'aller manger un point à la crise de chez Quick. On se retrouve à 16h. Non, c'est pas ça. Là, tu pars à la guerre. Nous sommes le 26 décembre 1917. C'est mieux. Voilà, lui, alors. C'est pas mon corps malade. Hein. Je présente le peuple français en musique. Cette fois, je vous attrape pas pour vous dire tu vas au djembé, tu vas machin, on est bien d'accord. Prochaine séance, tout le monde est en place. Pulsation, 3, 4. C'est cool, ça change de d'habitude, de la musique normale, enfin, des cours de musique habituels, en fait, c'est ça qui est le mieux, je pense. T'as appris des choses? Ouais. Quoi? Pas mal de trucs sur la guerre et tout, c'est super intéressant, en fait, comment ça se passe, l'ambiance et tout, enfin, c'est... Ouais. Bah oui, c'est intéressant. Ouais. Arrêtez de me regarder. L'armée, c'est une conflit entre le maréchal Foch, commandant en chef des armées alliées, et une délégation représentant la Grèce. Plus tard, les combats cessent.
Qu'est-ce que tu as pensé de tous ces ateliers là cette année? C'était trop bien. Pourquoi? Je suis en train de stresser là. Leur travail est très dur dans les champs de coton. Ils se mettent à chanter des work songs, des chants de travail pour rythmer leur travail. Et moins de guerre. La paix, c'est tu pardonnes à tous tes ennemis et tu deviens ami avec eux. La paix, c'est quand il n'y a plus de roi, plus d'esclaves. Comme vous le dites, votre bonheur. Dans cette attente, je vous prie d'accepter mes plus affectueux baisers. Votre petit Jean. Lettre rédigée par mon arrière-grand-père. 350 000 Afro-Américains mobilisés. 2000 Hell Fighters. 191 jours au front. 725 survivants. 171 décorations de la Légion d'honneur. Au milieu de 1 milliard d'obus, 20 millions de morts. Je dis 20 millions de morts. La Marseillaise non, américaine. Ouais, non,
vie des autres. Pendant ce temps-là, vous écoutez, vous arrêtez de rigoler, de jouer, de faire des vidéos, de gesticuler. On m'écoute là. Et allô, tu es bien? Chut.